Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques outils enfin, les outils que j'ai fabriqués moi-même. Je vais les présenter tout de suite. Et je voudrais remercier tout le monde qui ont visité ma chaîne et qui sont abonnés. J'en ai 10, c'était très difficile pour moi parce que j'ai fait plein de chaînes, j'en ai supprimé plein, ça marchait jamais. Là, ça va, ça avance assez vite. C'est cool et je suis content. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je remercie beaucoup aussi à Dan. J'ai parlé avec lui un peu sur les commentaires, tout ça. Merci à toi, hein, si tu as visité ma chaîne, tu t'es abonné, merci beaucoup. Donc là, je vais présenter une cuillère que j'ai fait moi-même. Vous pouvez la voir ici. Donc un creux que j'ai du mal à creuser parce que j'ai pas de couteau croche. Donc je me suis servi d'un couteau d'un ciseau à bois et j'ai creusé 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 et j'ai gratté avec un ciseau à bois. J'ai utilisé comme bois un bois tout simple qu'on trouve dans le garage ou des trucs tout simples, hein. Je vais en montrer un bois comme ça, un gros bois. Bon, c'était pas le même, mais on peut faire aussi avec ça. Ça marche très bien aussi, hein. Voilà. Après, j'ai fait une fourchette. Bon, hein, franchement, premier prix. Enfin, premier prix, mais vraiment du premier. Je suis pas encore un pro, hein, du bushcraft et tout ça. Et je me suis fait un fouet, enfin, voilà, quoi. Ça me passe le temps. Donc, voilà. Pardon. Sur la fourchette, c'est du vrai bois que j'ai. Enfin, c'est un rondin de bois que j'ai découpé et puis que. Et toujours au ciseau à bois. Je fais tout au ciseau à bois et j'aime beaucoup. Et je travaille aussi avec un peu avec la perceuse. J'aime vraiment bien l'artisanat. Et j'aime beaucoup le bois. Et j'aime vraiment le bois et ça, c'est bien. Donc, un fouet tout simple. Un petit manche en bois que j'ai. Un rond quoi. Pas mal. En fait, pour vous expliquer, j'ai fait trois cuillères. Celle-là, c'est celle qui est la mieux, celle que j'ai réussi. Et j'ai pris la deuxième et j'ai coupé juste là. Enfin, j'ai coupé pour faire un manche à la bonne taille. Et pour faire ça, c'est tout simple. J'ai juste pris des du fil. Pardon, c'est pas du. Enfin, voilà, c'est du fil de fer, pardon, voilà. Et pour ça, je prends une boîte normale, une boîte assez fine, hein, bon. Voilà. Donc voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Une vidéo assez courte. Juste pour une présentation de mon matériel. Oui, mon matériel que. Voilà. Que j'ai fabriqué moi-même. Donc je vous présente une cuillère, voilà, une fourchette et un petit fouet. Merci à tous et je remercie beaucoup aux gens qui sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Continuez à regarder mes vidéos, à mettre des commentaires, à mettre des j'aime et puis tout balancer ce que vous pensez, hein, et puis voilà. Allez, à plus.